Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soiscool Mec et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'un glitch pour faire réapparaître Dusty Depot sur Fortnite. Alors si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et n'oublie pas le code créateur Soiscool Mec YTB dans la boutique de Fortnite. Et c'est parti pour la vidéo, let's go! Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir aller dans terrain de jeu et puis vous lancez tout simplement la partie, vous mettez en comblé ou non comblé, vous invitez vos potes ou pas, mais ce serait bien d'inviter vos potes, comme ça vous pouvez faire une petite, un petit fight et tout dans Dusty Depot, donc ce que c'était dans les premières saisons, parce que Dusty Depot maintenant c'est plus du tout ce que c'était avant quoi. Donc là on va faire réapparaître Dusty Depot comme à l'origine du début de Fortnite. Et ça peut toujours être stylé de faire un petit fight avec ses potes en mode nostalgie sur Dusty Depot quoi. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous allez devoir faire, vous ne rentrez pas dans la map de Fortnite, hein, vous attendez, vous allez devoir faire apparaître une map. Donc là vous appuyez sur carré pour noter un code, là vous allez sur le code, hop, vous effacez le code et vous mettez le code 2 9 8 7 6 4 7 6 4 0 4. Et le petit 8 à la mode Belgique, voilà. Et là, vous appuyez sur triangle pour sélectionner l'île. Il faut absolument choisir le truc à la une de gauche. Hein. Faut pas aller à droite, faut faire celui de gauche, obligatoirement. Alors là, vous allez attendre tout simplement que la map, elle charge. Et quand la map est chargée, vous allez tout simplement retourner sur la map de Fortnite en allant vers Dusty Divot. Donc là, on attend que le chargement se termine. Voilà, quand le chargement est terminé, il suffit juste d'aller à Dusty Divot et vous allez voir que ben, l'ancien Dusty Divot va apparaître. Donc c'est assez cheaté comme glitch, c'est assez stylé quand même. Je mettrai la source en description, hein, le fondeur de ce glitch, c'est un américain, enfin je suppose un anglophone. Franchement il a envoyé quand même du lourd parce que le glitch est super facile à réaliser. Et pour faire ça, franchement il fallait y penser, hein. Je sais pas comment il a pensé à faire ça, mais regardez, ça c'est Dusty Divot. Non je déconne, il va apparaître, ne vous tracassez pas. Voilà, l'ancien Dusty Divot, c'est juste incroyable. Il l'a super bien fait, hein. Sauf que les matériaux sont peut-être pas les mêmes. Je me souviens pas que c'était du bois, mais voilà, après il n'y a pas les trucs dans le hangar. Mais voilà, c'est vraiment un petit glitch stylé pour faire pour retourner un peu dans le mode nostalgie. Cependant, vous devez faire attention parce que apparemment, quand on détruit quelque chose, donc ici je peux pas le détruire, c'est assez bizarre. Donc si je détruis ça, ça va détruire pas mal de toute la map. Hein, regardez, voilà, ça détruit quand même pas mal de choses. Voilà. Donc ça détruit, on dirait 10 murs carrément. Donc t'en détruis un, ça en détruit 10. Ok, pourquoi pas. Alors on va détruire celui-là pour voir ce que ça donne, ce qui se passe. Ah ouais, carrément, ça détruit tout. Oh my god, ah ouais, non mais faut pas détruire le mur des dépôts, hein, parce que ça détruit tous les dépôts. En fait, ça détruit comme si tout ce qui était accroché. Un mur, ça détruit tout. Donc voilà. Alors si maintenant vous avez envie de faire réapparaître l'ancien Dusty Depot, vous faites retour à l'accueil. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement rechanger l'île de gauche que vous avez sélectionné. Donc vous retournez près de la faille, vous appuyez sur carré et là on va mettre, je sais pas moi, Jordan Brand, voilà, hop, on appuie sur triangle et là on retourne. Bah, je pense qu'il faut peut-être attendre la fin du chargement, mais je suis pressé, moi, tu vois, j'ai pas le time, tu vois, donc je vais directement aller à Dusty Divot pour voir si ça a déjà changé. Mais c'est possible que ça n'ait pas changé, hein. On va voir de toute façon. Alors, téléportation vers l'île a toujours une éternité pour ce truc. A few moments later. Voilà, c'est terminé. Hop, alors vérification. Ouais, l'île est en train de disparaître, donc je pense que vous n'avez même pas besoin d'attendre la fin du chargement, parce qu'il se fait pendant que la partie se lance, enfin, que vous retournez dans l'île de Fortnite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi, c'est très important, le code SoisCoolMecYTB dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoisCoolMec et ciao. Peace.